Et oui, coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Mister Grassy, une chaîne exclusivement Lego, 100% du jeu bien sûr, comme d'habitude et bien entendu. J'espère que vous allez bien, nous allons faire encore une petite vidéo sur le défi vaincre le Vibranium. Et oui mes amis, pour débloquer les véhicules, il nous faut impérativement faire les défis qui en a à peu près 20. Sur le défi 20, il faut faire 20, vaincre le Vibranium, c'est à peu près... tuer, que je dis pas de bêtises, 10 vibranium, soldats vibranium en fuite. En sachant que j'en ai fait que 3 sur 10 sans le vouloir sur le mode libre que j'avais fait et que j'ai posté sur en vidéo. Ce fait, j'espère que ça posera pas de problème. Et nous allons partir pour faire directement la première. On va faire la première directement et cela nous importe qu'il faut aller voir directement. De ce fait, nous allons partir sur... Vous voyez ici, donc nous sommes bien au manoir des Avengers et il faut partir pas au niveau du monde de Black Panther, mais au-dessus, bien au-dessus d'ailleurs. On passe le château médiéval et de là, il faut voyez la tour bleue lumineuse. Il faut y aller dessus pour aller chercher les premiers soldats qui sont au-dessus et qui nous attendent. Mais ils apparaissent toujours que quand on atterrit, jamais quand on est en vol. Ça, c'est un petit inconvénient qu'on peut jamais les repérer. Donc voici le premier qui est déjà fait. Ah, le premier. Le quatrième, pardon. Les trois premiers, je les ai fait déjà en mode libre. Je le répète, mais je les ai fait en mode libre sans le savoir et que j'ai posté en vidéo. Je m'en suis même pas aperçu d'ailleurs. Nous allons partir du côté nous allons partir du côté du Daily Bugle. Et là, il devrait avoir une... je cherche, je crois que je les ai fait en mode libre. Je ne suis pas sûr, mes amis. Donc je suis en train de chercher, voir s'il n'est pas au-dessus. Et s'il est au-dessus, justement, voilà. Donc là, nous passons au sixième. Ils sont assez rapides à tuer, hein, je vous l'accorde. Nous sommes au 6ème sur 10. Et maintenant nous allons partir du côté du volcan. Au volcan, il y en a aussi un vibranium, des soldats en vibranium que j'ai cherché. Mais en fin de compte, comme je ne voyais toujours pas les soldats en vibranium, j'ai dû chercher à pied. Et de là, ça a fait que ils sont apparus, on va dire tout de suite. Là, je cherche, je sais plus où ils sont exactement. Ah oui, je sais. Je crois qu'ils sont du côté du volcan en éruption. Il est où, volcan? Ah, il est là. Ça y est. Et... bim! Voilà. Ils ont atterri dès que j'ai... Ils ont apparu dès que j'ai atterri. Direct. Il n'y a pas eu de malentendu. Voilà. Nous sommes déjà au 7ème. Alors maintenant, nous allons partir. Nous passons devant Asgard. Et c'est, je sais plus, Nueva ou... Nueva? Non, c'est Xandar. Bon, ouais, chaque fois je confonds. Hein, ouais. Donc là, il faut aller du côté de l'eau. Donc ça veut dire qu'il faut traverser tout Xandar. Et directement aller... là au calot. J'ai un peu mal manœuvré par rapport à mon atterrissage. Et ils sont juste là. Et 1, 2 et 3. Boum. À coup de massue, ils vont très vite à tuer. Nous sommes au 7ème. Le 8ème, ils sont au Far West. Le Far West, direction. Bim. On va aller faire le défi. Donc là, il faut aller impérativement. C'est trouver la colline. Voilà, et la colline, ils vont apparaître quand on atterrit. Je les ai entendus, et voilà. Ils sont juste là. Et 1, 2, et 3. Bah, il est pas mort. Ah si, maintenant il est mort. Le 8ème. On va passer au 9ème, mes amis. Et oui, ça passe déjà vite, hein, le 9ème. Pour une petite vidéo, pour un défi, pour un véhicule, le 9ème est vachement important.
Alors ici, je sais qu'il y en a un, mais je sais plus. Je crois que c'est celui-là, mais je suis pas sûr. Donc on va les faire quand même. 1, 2, je ne pense pas que d'ailleurs que ce soit celui-là. Non, c'est pas un vibranium. Donc je vais tuer celui-là pour faire une petite pièce, mais c'est pas celui-là. Bah tiens, il y a un panneau, on va le faire en même temps. J'aurais fait au moins un défi sur un des défis, j'aurais mis au moins les panneaux, moi comme ça on verrait que j'en ai déjà fait 8, hein. Il m'en reste plus que 2 à faire. Je pense jamais à les faire. C'est un défi assez facile d'ailleurs. Mais voilà quoi. Je cherche les soldats, le 9e. Ah, le 9e groupe de soldats au Vibranium. Alors, où qui se trouve? Où qui se trouve? Je suis en train de chercher, comme d'habitude. Je les ai repérés, mais difficile à repérer dans tout ce labyrinthe. Ça, c'est encore des soldats. Voilà, et de 4, mais c'est pas les vibraniums. Ah, bah si, c'est le vibranium, on dirait. Non, c'est pas le vibranium, c'était sauver les citoyens. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir, c'est que derrière, on confond facilement. Mais pour revenir à mon fait, c'est que je n'ai toujours pas retrouvé mes soldats vibranium. Et là, ça commence à devenir compliqué. Je suis en train de regarder ma petite feuille pour savoir où ils sont. Si j'aurais pu avoir mis un détail qui pourrait plus m'orienter. Laissez-moi chercher 2 minutes sur ma feuille. Alors, j'avais marqué les deux passerelles. Je regarde. Deux passerelles. Je ne sais plus vraiment ce qu'il en est. Bon, soit mes amis, je crois que ben, je vais revenir dessus. Peut-être. Oh non, je vais encore continuer un peu à chercher. Si ça vous dérange pas, dites-le dans le commentaire. Si ça vous dérange que je cherche comme ça, que j'ai une petite mémoire d'éléphant. Je vais atterrir, je pense. Non. Ils apparaissent pas. Hein. J'ai marqué des passerelles. Qu'est-ce que ça voulait dire par passerelle? Mais moi, j'arrive même plus à m'orienter. Alors, c'est pour vous dire. Oh là là, passerelle, passerelle. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par passerelle? Et voilà, c'est pas encore là. Oh là là, non, non, bon bah j'abandonne par rapport à ici, je reviendrai plus tard si j'arrive à retrouver ce que ça voulait dire pour passerelle. Je pense que ça ira beaucoup mieux pour vous et de ne pas éviter de vous faire attendre. Donc là ici, nous allons atterrir. Et il devrait apparaître normalement. Pas sûr, mais je suis pas dans le même bon, dans le bon coin. Je vais passer là. Ah, ils sont en face. Je les ai trouvés. Et 1, 2, le troisième bien là, bien pour manger ton petit marteau. Et 3. Et voilà, nous sommes déjà au 9e, mes amis. Pour une petite vidéo pour faire un défi. Pour débloquer un véhicule, il faut passer par là impérativement pour faire les courses. D'où le fait que j'ai dû arrêter un petit peu les modes libres. Libre, autant pour moi. Et voilà. J'ai dû couper parce que j'avais un problème. C'est que mon jeu avait planté complètement et il me retrouvait toujours pas le jeu. Le dernier groupe de soldats. Il a fallu que je redémarre la console et que je le retrouve. Et il fallait passer au-dessus et vous voyez quelle lumière bleue, il faut juste atterrir. Je me suis fait peur. Comme ça au moins, je vais vous faire voir où on est exactement. Voilà. Vous voyez bien que cet endroit-là est assez repérable hein, par rapport à ça. Je me suis mangé le tram. Et 1 et 2. Et 3 il est passé aussi, j'ai même pas tapé. Alors, voilà les amis, pour débloquer ce véhicule, il fallait impérativement trouver les 9 soldats Vibranium en fuite. Et on débloque. Et on va débloquer. Bon,
Bah, c'est pas grave, il n'y a pas marqué, je vais l'acheter, j'irai plus vite. Comme ça, moi, vous verrez que je l'achète devant vous. Et c'est le Milan, le vaisseau spatial de Lord. Et voilà, je trouve l'emplacement au vert pour vous faire voir. Il est magnifique en plus, ça, je trouve, il est bien représentatif. Sur ce, mes amis, c'est déjà la fin de ce gameplay. Et oui, je sais. N'hésitez pas à liker et commenter si vous voulez. J'essaye de monter, voilà, pour vous faire voir qui vole. Donc n'hésitez pas à liker, partager et voire même de vous abonner et d'activer la petite cloche pour savoir si les notifications de vidéos. Et nous sommes toujours à 39,5% et nous avons 133 personnages sur 236 personnages et véhicules inclus. Si ce gameplay vous a plu, n'hésitez pas. Hein. Et je suis 1, 2, 3, 4. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like. Sur ce, je vais vous dire bon gameplay.